C'est des ânes de papy. Oui. Coucou. Là-bas, c'est quoi? Coucou. Waouh. Je suis tout seul. T'as vu? T'as vu? Ils sont mignons. Hein. Est-ce qu'on peut les caresser, nous deux? Vas-y, caresse. Ah, non, nous deux. Vas-y, va. Non, caresse. Nous deux. Il a peur ou pas? Ouais, je crois. Hein. T'as vu? Ah. J'ai pas peur. Toi, t'as pas peur? Oui. C'est vrai? T'as vu, puis il est gentil. Est-ce qu'on peut le caresser? Vas-y, essaye. Non, c'est toi. Non, je voulais. Tu non, non, c'est bon. Non. Et peut-être que t'as caressé. Il veut pas? Il veut pas. Pourquoi? Bah, là, tu mets des coups de corne. Oui, je sais pas s'il est méchant ou gentil. Je sais pas du tout. Vas-y. Tu veux que je te parle? Il veut pas. Moi, je veux une photo. Ati ko mro funte harba ne so ni talane mana no kos. Avec les oignons, les fruits, on vous a montré. Vous allez ajouter, vous enlevez les riz, ça y est, c'est après cuit, et vous ajoutez de l'encos à la préparation. On parle bien du fruit, on retire les filles. Toujours avant d'ajouter les riz, les filles, vous venez. Goûtez la sauce si elle est assez salée ou pas. Vous avez... voilà. Le reste du nocos. Ça, les filles, c'est du magie en poudre. En fait, au niveau d'assaisonnement, si c'est ok, et on finit par ajouter notre. On lève un peu de sauce. Et on finit avec le riz dans la sauce. Tranquillement le riz. Bon, mes frères, après un bon petit chip comme celui-ci, une queue de chez Owari, je vais prendre la queue de cerise là, obligatoire. Après, ici, les filles, je les laisse que en couche tellement il fait chaud, vraiment trop chaud. C'est bientôt l'heure de la prière là, donc. Mes enfants, ils sont en train de kiffer avec leurs cousins-cousines. Et moi, je fais l'habitude voilà, dans mon bébé avant la prière. Et ensuite, on va aller visiter la tombe du cousin de
Mon mari, le fils. Vous vous souvenez, il était décédé dans une semaine, je crois, après la naissance de Souhaï. Moi, je n'avais pas, pu assister à leur enterrement. Donc là, on va les visiter, Inch'Allah. Et sinon, mes soeurs aussi. Je suis en mode turban, du coup, je ne monte pas ma tête. Je dors, mettre des emojis partout, sinon. Là, on finit le week-end ici, Inch'Allah. Et après, ensuite, on va du coup à Sali. On aura fait un peu plus de 10 jours au village quand même. On a tenu hein, les filles avec quasi des 47, carré, quasi 50 degrés en fait. Parce qu'il fait un truc, en fait parfois il a fait plus frais, enfin on va dire entre 40 et 50 degrés, et 47 degrés exactement ressenti. À peu près hein, les filles de ce que j'ai pu voir. Après peut-être que c'est descendu aussi un petit peu plus bas. Il y a deux jours on a eu une tempête et il a plu. Mais sinon, il a fait très très chaud. Alhamdoulilah, je suis très fière de nous parce qu'on a bien tenu, mes enfants aussi. Et voilà, donc là, les filles, on a encore un petit peu de temps là, Inch'Allah, ici. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, on part à Sali. Et enfin, ça y est, on retournera en France. On va faire, je crois, 3-4 jours à Sali. Et après retour, hein, les filles. Retour, il y a le déménagement à terminer et tout. Enfin, bref, ça va être la course internationale quand je vais... Quand je vais rentrer, j'ai un mois pour tout clôturer, le déménagement et tout. Tout le mois de juillet, les filles, ça va être que ça. Ouais, franchement, pour l'instant, je ne vais même pas y penser. Je suis qu'en mood de vacances et tout. C'est pour ça aussi qu'on avait pris genre les vacances là, au mois de juin. Parce qu'on savait que pour le mois de juillet, en gros, ça allait être charbon. Du coup, on s'est dit, on se détend un peu avant le rush. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Enfin bref, je vais finir la balade de Souhaïbou. Ensuite, je vais faire ma salat, dès que ça donne. Et après, voilà, c'est ça. En tout cas, franchement, il fait chaud, mais j'ai l'impression que mon corps, il s'est habitué. Bien sûr, le corps, il s'est habitué, c'est un truc de fou. Ça sent le départ, mes soeurs. Voilà, bon, c'est une partie de la famille qui part ce soir, Inch'Allah, direction Dakar. On était tous venus ici pour passer l'Aïd en famille. C'était magnifique. Soussan, arrête, mon bébé, il veut pas. Arrête, Soussan. J'ai envie de faire une douche. Bon, j'ai fait la douche des gens, des enfants et tout. Là, Soussan et Soleil, ils sont partis regarder un match avec papa. Genre, ils sont partis regarder le match de France. Je crois que c'est la France qui joue. Les douches, les filles, après des journées où tu passes. Et si t'es obligé de transpirer, évidemment, il fait chaud. Tu passes ta journée et toi à transpirer. Ça fait tellement du bien pour moi, là, on va manger et tout. Et ça fait trop, trop du bien. Oui, c'est la douche où tu sens vraiment la douche, elle va se réveiller à quelque chose, quoi. C'est trop du bien. Il dort? Presque. Il s'endort, là, mon bébé.